Bienvenue à tous, merci d'être venus pour cette journée qui s'annonce riche mais un peu chargée. Donc on va essayer de limiter au maximum les introductions et tout ça, mais ça me paraissait important de faire un petit résumé quand même de la journée et puis quelques remerciements. Donc déjà... Merci beaucoup à Marie avec qui j'ai pu organiser cette journée et qui m'a beaucoup inspiré dès l'origine de ce projet. Donc on n'était sûrement pas assez nombreux, mais c'était déjà très précieux de pouvoir être deux. Merci beaucoup au comité scientifique qui a accepté aussi d'accompagner ce projet, et en particulier Monsieur Fontani qui s'est beaucoup investi dans la discussion des formulations et dans les conseils pour son organisation. Merci beaucoup à l'école doctorale qui a accepté d'intégrer ce projet dans ses formations et qui s'est occupée d'une bonne partie de la logistique et du soutien financier. Merci beaucoup à mon laboratoire clé, c'est un laboratoire de linguistique et de psychologie basé à Toulouse et à Bordeaux, qui a contribuer financièrement pour une part très importante, et ce projet n'aurait pas pu être aussi riche sans ce soutien. Et puis il y a de nombreuses personnes que je devrais remercier, avec qui j'ai pu échanger aussi de ce programme. Donc le programme de la journée, ce sera d'abord un point d'actualité sur la crise écologique, qui sera centré sur la question climatique, mais parce qu'on ne peut pas parler de tout, mais évidemment c'est plus large que ça. Ça me paraissait important de commencer un peu par avoir tous quelques idées communes sur ces questions qui sont complexes et malheureusement encore inconnues dans le détail pour de nombreuses personnes, notamment pour les présidents de notre université. Ensuite, je ferai un petit cadrage terminologique et voilà sur la notion de réensauvagement, parce que ça pose plein de questions avec son application à l'humain, plein de malentendus. Donc, je vais essayer de reposer quelques bases, voilà, pour en parler le plus simplement possible et sans malentendus. Ensuite, nous aurons un panorama qui se déroulera sur la fin de la bonne partie de la matinée et le début d'après-midi, sur différentes thématiques que vous avez pu consulter dans le programme, et qui sera donc assez riche. On n'aura pas pu tout aborder, mais on a déjà un beau panel. Ensuite, on s'arrêtera pour une heure de pause à midi, et en fin de journée, on aura une table ronde pour parler un petit peu de notre rôle en tant que professionnel de la connaissance sur notre place dans la transition écologique, et comment on pourrait contribuer à tout ça par nos activités. Voilà, donc de nombreuses thématiques abordées, comme l'anthropologie, l'agriculture, la technologie, on pourrait même dire le développement personnel, l'art, le droit. Toutes les thématiques ne sont pas abordées, notamment il n'y a pas de thématique centrale sur l'économie ou la monnaie, ce que je regrette, ou la science politique, mais c'est des questions qui seront abordées indirectement. Voilà, je m'arrête là parce que c'est le temps de mes 5 minutes. Voilà, merci beaucoup et place à Xavier Anglarette pour notre point d'actualité sur la crise écologique.